ces combats, tous ces assauts, un peu de douceur dans un monde de brutes. Au Brésil, il y a le jiu-jitsu brésilien et la capoeira. La capoeira, c'est un art martial qui a été créé par les esclaves au Brésil au XVIIe siècle. Aujourd'hui, on a avec nous des spécialistes de capoeira. Oui, on a des spécialistes de capoeira qui vont nous faire la démonstration de leur art qu'ils maîtrisent puisque on mêle les sports de combat et la musique. On y passera la nuit avec votre capoeira, tellement c'est bien, tellement c'est beau. Ah, ça chauffe, quand ça chauffe. Hein. Ah oui. Alors est-ce qu'il faut être brésilien pour prendre une licence à la capoeira? On a l'impression que vous avez le rythme dans la peau, la danse, la salsa, la samba. Pas du tout, non. Il y a plein de Français,
africains, des marocains, tout le monde peut faire la capoeira. La capoeira, en fait, c'est ce qui partage tout l'art avec tous les peuples, toutes les régions, comme dire. Il n'y a pas de frontières, de barrières. C'est ça, ouais, il n'y a pas. Vous êtes un peu comme des chats, toujours en train de tourner, c'est très délié, très souple, et en même temps très, très efficace, les coups sont... Oui, il y a beaucoup de mouvements qui ressemblent à les animaux. Et bon, la capoeira, c'est en bas, en milieu, en haut, en l'air. Il y a des prises, il y a des luxations, il y a des mobilisations. C'est tout ça. Oh ben c'est super. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.